Le marché de la place Jean Massé, le mardi, comme maintenant d'ailleurs, eh bien, mais beaucoup plus étendu, montait tout le long du boulevard jusqu'au bout de la rue Galilée, au niveau de la rue Philippe de Cabrol maintenant. Oui. Et il y avait des vêtements, il y avait des chaussures, il y avait beaucoup de fermiers qui venaient vendre ce qu'ils avaient récolté. Et des magasins plus, enfin, des commerçants qui plus grands, plus importants, quoi. Oui. Oui, tous les mardis, c'était rituel qu'on aille au marché. Il y avait aussi, mais je crois qu'une autre personne va en parler, la fête des cornes, les cornes, les fouasses, mais c'était le 11 novembre, pas avant comme maintenant. Oui. Et c'était la grande fête foraine, vraiment. Tout le long du boulevard, il y avait beaucoup de boutiques, en somme, qui vendaient des sucreries de toutes sortes, des cornes. On devait boire du cidre, sans doute. Je sais que ma famille qui habitait, les cousins qui habitaient ailleurs, dans d'autres quartiers de Nantes, venaient pour cette occasion. Oui.